Les soirées ramadanesques en plein air se multiplient, de quoi ravir les Algérois qui se voient offrir un large choix. Le mois de Ramadan coïncide depuis quelques années avec la saison estivale et est devenu le mois dont les soirées et événements en tout genre se répandent un peu partout dans le pays. Je découvre, c'est la première fois que je viens ici. Et puis voilà. Je sais pas, apparemment, c'est un cadre qui est exceptionnel et c'est vraiment. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça en Algérie. C'est un endroit magique, hein. Voilà, donc où on se sent bien, c'est un endroit familial, on peut passer de très agréables moments. C'est assez varié, exactement, il y a des personnes qui souhaitent passer un bon temps à voir un film, donc c'est possible. Il y en a d'autres qui souhaitent s'allonger et discuter entre amis, c'est possible. On peut jouer au domino, il y en a d'autres qui souhaitent, être... Donc c'est vraiment, il y a plusieurs thématiques et c'est vraiment intéressant, donc on est très contents. Nous. C'est un endroit sympathique, c'est plutôt convivial, c'est bon enfant, donc c'est parfait. Franchement c'est parfait. Je trouve que ce concept est très bien pensé, avec la diversité des thèmes. On passe une super soirée et on aimerait que ces endroits se démultiplient sur Alger, un peu partout en Algérie. Ce serait super sympa. La Fabrique organise des soirées au niveau des bois des arcades. Au programme, décoration ramadanesque, belle ambiance, animée par le DJ Islam. Moi, je suis le DJ ici. Donc pour aujourd'hui, c'est un programme plus chill out, deep house, new disco. C'est des sons qui aident à se relaxer pour avoir une conversation, du genre, pour parler entre amis et tout. Et pour s'installer, bien sûr. Lazam, il le faut, il suffit à demander aux clients, ils vont vous répondre. Inch'Allah. Je vous en prie. Les organisateurs n'hésitent pas à innover pour apporter chaque année de nouveaux concepts. Nous, c'était important pour nous de recevoir toutes les catégories, c'est-à-dire ceux qui voulaient venir prendre un thé, un café, un qalbelouz, et ceux qui voulaient juste sortir, voir des couleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la couleur, c'est quelque chose qui manque dans la société. C'est quelque chose qui, quand vous offrez un jardin, un petit espace gazon et un peu de couleur, c'est de la luminothérapie, c'est des gens qui sont heureux. Qui sont heureux de prendre un peu l'air, et dès qu'il fait beau, on est plein. Les trisomiques, c'est une aventure qui avait commencé l'année dernière au Palais des Raïs, au Bastion 23, où on avait fait travailler 11 trisomiques, 11 jeunes trisomiques, qui étaient des jeunes fabuleux, qui ont travaillé pendant un mois, soit dans le service, soit au niveau des cuisines, soit au niveau de l'accueil. Et cette année, on a réitéré l'expérience avec deux jeunes seulement, parce qu'on n'avait pas non plus les moyens, mais on tenait à continuer un peu dans la même lancée. Et le but, avant tout, n'était pas juste de ramener des trisomiques et de les exposer. Le but, c'était avant tout de ramener ces jeunes-là, de leur proposer un travail, d'être payé un vrai salaire au-dessus du SMIC. Ça, c'est important pour nous. Mais aussi de donner l'exemple à ces milliers de personnes qui viennent nous rendre visite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exposés. Ils sont là pour montrer qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent être à la sécurité, qu'ils peuvent être au niveau des cuisines, qu'ils peuvent être au service. C'est vrai qu'il y a des programmes qui sont adaptés pour eux, parce qu'on ne peut pas non plus les faire travailler à la même charge de travail, au même niveau de travail que les autres. Mais pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de représentants d'entreprises qui viennent passer leur soirée, c'est un petit déclic. Les amoureux de la nature sont gâtés.
un programme riche et varié est proposé dans cet bel endroit rien que pour se ressourcer après une journée de jeûne.